Chantez plus fort. Chantez, acclame. Nous t'acclamons. C'est une convention évangélique, on a dit, où nous célébrons le nom du Seigneur. Acclame et chante plus fort. Jésus. Fais cette prière, dis Seigneur, viens, prends la place du roi, accompagne tout le moment que nous allons passer en ces lieux. Chaque groupe, chaque prestateur, soit rempli et soit conduit par l'Esprit. Prie avec moi, maintenant prie, dis Seigneur, viens, prends.
Dis Seigneur, viens prendre la place du roi. Dis Seigneur, contrôle ce moment. Seigneur, contrôle l'atmosphère. Seigneur, que cette atmosphère soit changée. Nous voulons que ta présence soit palpable. Est-ce qu'il y a un jeune qui est présent, qui peut lever sa voix et déclarer ensemble avec moi, dire Seigneur, ce moment est à toi. Viens, prends la place du roi. Nous ne voulons pas que les individus soient vus. Nous ne voulons pas que quelqu'un soit la star. La seule star de ce lieu s'appelle Jésus. Voilà pourquoi nous voulons lui dire ensemble, élève ta voix et prie. Déclare, prie. Prie, dis Seigneur, règne en ces lieux. Dis Seigneur, ces lieux est à toi. Nous te donnons toutes choses, chaque partie, chaque moment. Nous voulons le passer ensemble avec toi. Nous voulons dire à Jésus, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, passez en ces lieux. Sois sous l'inspiration, sous la conduite de l'Esprit, que le Saint-Esprit règne au milieu de nous. Élève ta voix et prie, et prie, et prie avec nous. Oh, Jésus, 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 nous voulons que tu prennes la place du roi. Prends la place du roi, la place qui t'est due. Seigneur, règne encore, Seigneur, domine sur toutes choses. Prie avec nous, prie avec nous, prie avec nous. Prie avec nous, disons Jésus, prends la place du roi. Ah, par ta prière, tu peux transformer l'atmosphère de ces lieux. C'est une convention des enfants de Dieu. Je sais que je suis parmi les enfants de Dieu. Nous faisons appel à notre Père. Alors nous allons l'adorer encore en disant oh, 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 notre roi. Lorsque tu chantes le chant, élève seulement tes mains en l'air et dis Hosanna. Il s'agit de Jésus. De Jésus. J'aimerais dire à un jeune, il s'agit de Jésus. Alors, nous le chantons toute la salle, Jésus, plus haut, il s'agit de Jésus. Crie encore plus fort, plus haut, au-dessus de tout ce que nous allons faire, Jésus, le seul nom que nous voulons élever plus haut. Élève-le encore plus haut. Plus haut. Plus haut. Au-dessus de notre jeunesse, nous t'élevons plus haut. Élève-le plus haut. Au-dessus de tout ce qui va se faire, plus haut, Jésus. Plus haut. Accompagne-moi avec la chorale. Plus fort encore. Plus haut.
que notre roi soit glorifié. Nous enseignons que notre roi. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi. Acclame ton roi. Notre roi. Acclame, acclame, acclame le roi. Acclame notre roi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre roi? Oui. Il s'agit de Jésus. Acclame encore, acclame, acclame, acclame. Acclame pour notre roi. Jésus est ton roi, acclame pour lui. La Bible dit lorsqu'on acclame, il fait son entrée. Est-ce qu'il y a un jeune? Est-ce qu'il y a un ado qui peut acclamer? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont une vision ici? Je veux voir vos mains. Il y a un jeune qui a une vision? Est-ce qu'il y a un jeune qui a une vision ici? Il y a des jeunes qui sont des visionnaires ici? Est-ce que vous savez que c'est vous qui possédez le pouvoir? Dieu nous a laissé le choix de déterminer notre avenir. Et aussi aujourd'hui, je décide, demain je deviens ministre, je vais le devenir. Quelqu'un le croit? Amen. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de décider ce que nous pouvons être demain. Amen, amen. Parce qu'il y a un texte qui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Est-ce qu'on peut le lire nous tous ensemble? On peut le lire à trois. Un, deux, trois. Waouh, est-ce que tu es sûr de cette parole? Est-ce que cette parole, ça te concerne? Je crois que j'étais parmi les jeunes de vision. Alors pousse un cri! Alors pousse un cri! Allez, comment? C'est parti! Pousse-moi comme ça, comme ça, comme ça! Allez, vas-y, bouge, bouge, les bouge, bouge. Et moi, je suis jeune. Et c'est moi qui détermine mon avenir. Ah non, est-ce qu'il y a des jeunes ici? Ah, je ne vois pas de jeunes. Allez, je suis jeune. Laisse-moi. Ah non, tu ne chantes pas, c'est pas jeune. Est-ce qu'il y a des jeunes pour dire? Laissez-moi. Ah oui, Dieu m'a donné le pouvoir de décider ce que je fais demain. On y va. Laissez-moi. Non. S'il y a des jeunes, lève la main droite. Je suis jeune. Laissez-moi. Ah oui, laissez-moi. Oui. Il s'agit de moi. Regarde ton voisin, dis-lui que tu es jeune. Laisse-toi. Elle s'appelle Priscilla. Deux secondes. Elle s'appelle Priscilla. Elle va nous animer juste deux secondes. Deux minutes.
Deux minutes. Est-ce qu'on peut augmenter son micro? Précis. Dans le champ libre, allez. Tout ça, tout ça pour la gloire d'un seul nom. Tout ça pour la gloire d'un seul nom. Le nom que j'ai l'aime, c'est le nom de Jésus. Le nom que j'ai l'aime, c'est le nom de Jésus. Tout ça pour la gloire d'un seul nom. Tout ça pour la gloire d'un seul nom. Le nom que j'ai l'aime. Chanson de cette année. On avait dit quoi? Je suis créé à l'image de qui? Je ressemble à qui? Est-ce que je ressemble à mon père? Je ressemble à ma mère? Je ressemble à qui? Je ressemble à qui? Alors, on y va. Thank you.
Avec Dieu, joie. Alors on dit c'est bon, il y a des gens qui sont comme ça. C'est bon. Maintenant, avec plus de force, avec plus de joie. Na Yesu kese na kese. Sans instrument. Na Yesu kese na kese. Vous pouvez acclamer pour vous-même. J'appelle le Père Dani. Wow. Non, continue à acclamer. Acclame pour ton sauveur. Acclame pour ton créateur. Alléluia. Il est merveilleux. Non, continue à acclamer. Continue à acclamer. C'est une rencontre des amoureux de Jésus. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus dans ce lieu? Si tu es là, continue à acclamer pour le grand Dieu. Alléluia. Oui, c'est lui qui nous a sauvés. Bien-aimé, l'ennemi ne peut plus nous réclamer. Alléluia. Amen. Parce qu'il a payé un prix pour nous. Oui. Il a payé la rançon pour nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, il faut te réjouir dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi tu acclames encore très fort. Voilà, nous continuons dans notre programme. Nous avons quelques invités aujourd'hui. Mais nous allons commencer d'abord par la prestation de deux chants de notre chorale, parce que Dieu nous a fait grâce d'avoir une telle chorale. Voilà pourquoi nous allons laisser les chants, le temps peut-être de chanter deux chants pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager en clamant pour la gloire de Dieu?
Est-ce qu'il y a un jeune dans la salle vraiment? Je vois rien. Est-ce qu'il y a un jeune dans la salle? Je ne vois rien du tout. Est-ce qu'il y a un jeune dans la salle? J'espère que vous allez bien. Pour information, on a fait très bon voyage. On a été très bien accueillis. Et pour tout cela, que Dieu vous bénisse. On est très 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 heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère qu'on va passer un très bon moment. Donc l'orateur qui était là aujourd'hui, il a dit qu'il nous a donné deux chants, donc on va vous interpréter deux chants. On va continuer sur la lancée et puis voilà.
beaucoup. On y va, suivez-nous, go! Jusqu'au bout, avec Jésus. Ouais, Jésus,
encore invité les enfants de la maison, la chorale de la jeunesse qui vont nous interpréter quelques chants. Est-ce qu'on peut encore les acclamer? Ça, c'est les enfants de la maison. Ils méritent aussi une offrande et l'acclamation. Yes. Thank you.
sentir. Hein? On est venu pour bouger, pour rendre gloire à notre Dieu. Alors je vois tout le monde qui vous, s'il vous plaît. On va un peu bouger pour l'honneur de notre Seigneur. On va recommencer. On tape les mains en danse. Je vais monter.
assez longtemps pour t'aimer, assez longtemps pour t'aimer toute ma vie. Je te louerai à jamais. Oui, tu es tout ce que assez longtemps pour t'aimer,
ceci, c'est un message qui est destiné au... Écoutez-nous deux secondes. Hein. C'est un message qui est destiné aux jeunes et à tout le monde, en fait. C'est destiné aux chrétiens. Vous savez, souvent, lorsque le Seigneur nous prend, à moins que tu sois comme Samuel, de les bas âges, les seigneurs, là, sa mère a été le déposer à l'église. Il a toujours été consacré au service du Seigneur. Mais il y a une catégorie de personnes que Dieu prend dans la boue, vraiment. Dieu va les chercher vraiment très, très loin. Alors, lorsque le Seigneur te retire de là, ce qui arrive souvent, c'est le passé qui essaye de te rattraper. Tu vois, ton passé essaie de te rattraper. Ton blaze que tu avais à l'époque, essaie de te rattraper encore. Les choses que tu as connues avant, essaie de te rattraper. Mais en réalité, c'est un message d'encouragement qui dit simplement, et qui s'adresse aux gens qui nous ont connus païens, on veut leur simplement dire que mon passé est derrière moi. Le passé est derrière moi, je ne vivrai plus comme avant. C'est fini. Si tu m'as connu menteur, je ne vivrai plus comme avant. Tu m'as connu tricheur, je ne vivrai plus comme avant. Maintenant que j'ai connu Jésus, ma vie a changé. Tu peux répéter avec moi, ma vie a changé. Ma vie a changé. Encore plus fort, ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Est-ce que la technique peut me projeter le texte I won't go back? I won't go back. Comment? On va dire ensemble, restaurer. La chanson, elle est simple. Tu peux lire avec nous, ça dit restaurer. Restaurer. Je suis guéri. Guéri. Maintenant, je suis libre. Libre. Le Christ m'a délivré. Délivré. J'ai trouvé la joie. J'ai la joie. La faveur Restaurée. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a libéré. Et il m'a délivré. Et je trouvais la joie. Wow. J'ai trouvé la paix. Je dis maintenant. Maintenant l'heure est venue. C'est ce jour-ci. Le jour tant attendu. Me voici. Me voici. Me voici. Transformé. Transformé. J'ai tant désiré que ce moment vienne. J'ai tant désiré que ce moment vienne. Je ne les laisserai pas passer. Non. J'ai dit, mon passé, derrière moi, je ne vivrai plus comme avant. Je ne vivrai plus comme avant, je le connais. Christ m'a changé. Christ m'a changé. Mon passé est derrière moi. Mon passé derrière moi, je ne vivrai plus comme avant, je le connais. Alors, écoute ceci, mes péchés. Mes péchés. Hein? Mes fautes. Mes hontes. Mes hontes. Jésus, sont pardonnés. Sont pardonnés. Plus d'échecs, je ne souillerai plus. Plus de crainte. Crie avec moi, ma vie a changé. Ma vie. A changé. A changé. Mes péchés. Mes péchés. Mes fautes. Mes fautes. Mes hontes. Mes hontes.
chanter. À chanter. J'ai dit maintenant, maintenant. Maintenant l'heure est venue. Le jour. Le jour tant attendu. Me voici. Je t'en désirais que ce moment. Je ne le laisserai pas passer. Ne le laisserai pas passer. Let's go. Mon passé. Mon passé. Derrière moi. Je ne vivrai plus comme avant. La chanson, elle est facile. D'accord. Mon passé est derrière moi. Je ne vivrai plus comme avant. Ne le connais plus ma chanson. Disons-le seulement avec nos voix. Mon passé est derrière moi. Je ne vivrai plus comme avant. Passé derrière moi, c'est fini. Je ne vivrai plus comme avant. Et voici ce que je décide. C'est une décision. On va prendre une décision. Hier, on nous a parlé de la décision. Avec lui, je veux avancer. J'ai décidé. J'ai décidé de ne plus reculer. De ne plus reculer. Je suis venu. Je suis venu déclarer. J'ai dit, le passé est passé. En Jésus, les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. J'avance. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer. J'ai dit le passé est passé. J'ai donné ma vie à Christ. Voilà ce que j'ai décidé. J'ai décidé d'avancer. Ressuscité avec tout pouvoir en main. Seigneur, tu m'as donné. Une seconde chance. Alléluia. Alléluia, yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé passé en lui. Les choses ont changé. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus change? Qui croit qu'il change cette chose? Si tu es là, mets-toi debout, lève-toi et avance. Qui a décidé d'avancer? Qui veut avancer avec Christ? Si tu veux avancer, tu vas chanter avec nous. Tu changes toute chose. Avancer. Tu changes, comment t'es? Tu changes toute ta vie. Tu changes. Yeah.
d'église. Toutes choses. Crie plus fort. Tu changes toutes choses. Crie encore. Ce n'est pas de la blague, je t'assure. C'est une déclaration. On crie, tu chantes. Jésus, tu changes. Oui. Avec toi. Si tu veux avancer avec Jésus, lève tes mains et crie, tu chantes. Crie-le. Oui. Jésus. Qui veut avancer avec Jésus, tu changes. Crie, oui. Tu changes. Oui. C'est une déclaration. Je veux que tu cries encore plus fort. Tu changes. Tu changes. Tu changes. Tu changes. Toutes choses. Avec toi.
Bien-aimé, ce soir, Dieu veut encore nous parler. Parce qu'il nous a tellement aimés. Voilà pourquoi il a dépêché un homme venant de très loin. Nous avons la grâce d'avoir parmi nous un homme qui a un message particulier pour les jeunes. C'est un canal que Dieu va utiliser ce soir pour te bénir. Parce que Dieu l'utilise puissamment pour les jeunes. Voilà pourquoi lorsqu'il va s'avancer, bien-aimé, tu donnes gloire à Dieu. Parce que la Bible dit que l'honneur est pour ceux qui craignent l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons inviter l'homme de Dieu, l'évangéliste Francis Boenge, qui vient de l'église de la parole d'Israël, qui est une extension. Alléluia, de l'église la parole. Jésus, les hommes parisiens. Nous acclamons, nous acclamons. Bonsoir. 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 Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette église? Amen. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je vous intimide? Bonsoir. Bonsoir. Non, mais prouvez-moi que vous êtes des jeunes. Bonsoir. Bonsoir. Bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Si nous pouvons nous mettre debout et nos bien-aimés chantres vont nous entonner dans un cantique d'adoration. Un cantique que vous semblez. Mettons-nous debout, nous voulons célébrer le Seigneur quelques minutes avant de l'écouter. Si la sœur Victoire peut se joindre à cette équipe, ça serait une bonne chose. Chantez, vous pouvez vous joindre à eux. Bon, les instrumentistes sont là. Venez, venez, vous allez nous amener dans un moment de cantique, d'adoration. N'hésitez pas, c'est moi qui vous appelle. Bon, les instrumentistes sont déjà là, mais au moins vous qui chantez, approchez. Et je vais demander à l'église, mettons-nous debout, disposons-nous pour célébrer les dieux qui nous donnent le souffle de vie. Disposons-nous pour l'adorer, le louer avec la chorale. Sentez-vous libre de célébrer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons nos yeux fermés. Celui qui voudra se mettre à genoux, se met à genoux. Celui qui veut rester debout, il reste debout, mais au moins célébrons l'Éternel.
qu'un jeune élève sa voix et qu'il parle à Dieu. Ce soir, une histoire va être changée. Ce soir, Dieu veut témoigner son amour à quelqu'un. Peut-être que tu es là, jeune. Tu penses que Dieu t'a oublié. Peut-être que tu es derrière moi, jeune. Tu viens de chanter, mais tu n'as jamais réalisé ces profondes paroles. Tu as toujours l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as toujours l'impression que Dieu ne te connaît pas. Tu as toujours eu l'impression que toi, tu es là seulement par une simple coïncidence. Mais j'aimerais que ce soir, tu puisses réaliser que Dieu peut changer l'histoire de ta vie. J'aimerais que ce soir, tu puisses réaliser que Dieu peut tracer une voie nouvelle pour que tu atteignes ton avenir. J'aimerais qu'un jeune élève sa voix et qu'il prie Dieu pour la parole que tu veux écouter. Ce soir, je suis là pour te dire qu'il y a deux choses que Dieu a prévues pour toi. Il y a sa parole et il y a sa puissance. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es rentré si vraiment tu as la soif de vivre une expérience nouvelle avec Dieu. J'aimerais que les jeunes élèvent leur voix et qu'ils disent à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, créateur des cieux et de la terre, tu es mon éternel Père. Voilà pourquoi je peux me permettre de t'appeler Père. Voilà pourquoi je n'accepterai jamais d'être appelé orphelin, parce que mon Père, tu vis. Oh, ce soir, éternel Dieu, tu connais la raison de notre existence, notre raison d'être en ce lieu. C'est parce que tu veux faire quelque chose dans la vie d'un jeune. C'est parce que tu veux adresser un message d'espoir à un jeune. C'est parce que tu veux équiper un jeune pour les jours à venir. C'est parce que tu veux accomplir quelque chose par un jeune. C'est parce que tu veux accomplir quelque chose pour un jeune. C'est parce que tu veux accomplir quelque chose avec un jeune. Ô Père, éternel Dieu des armées, tu veux accomplir quelque chose en un jeune. Voilà pourquoi nous voulons te confier ces instants. Père, au commencement était la parole. À la fin, ça sera toujours ta parole. Alors que nous voulons partager cette parole, Dieu, je prie que par ton esprit, tu rendes cette parole efficace, puissante et agissante dans le cœur des jeunes. Ô Père, j'ai toujours cru que le moment est venu pour toi de passer par les jeunes pour bouleverser ce monde, pour bouleverser l'Europe. Quand bien même les animaux savent conserver le loi que tu as impliqué dans leur conscience, les animaux ne se marient pas. Les animaux de même sexe ne se marient pas. Animal ou animaux qu'ils sont, ils ont conservé cette loi que tu as mise en eux. Mais l'homme que tu as créé à ton image a voulu tellement modifier les choses qu'il s'éloigne petit à petit de toi. Seigneur, ces jeunes également, si tu ne fais rien dans leur vie, ils seront exposés à des lois perverses qui sont en train d'être votées dans ce pays, qui sont en train d'être mises en place dans ce continent d'Europe. Mais par ton esprit, tu peux le préserver. Par la semence incorruptible de ta parole, tu peux les équiper, tu peux les préserver pour qu'ils soient comme des renards qui vont entrer dans le champ des Philistins et tout mettre à feu. Voilà pourquoi j'écris que très cher Saint-Esprit, s'il te plaît, sois à l'œuvre afin que les jeunes, en sortant de ce lieu, afin qu'à l'issue de cette convention, que les jeunes soient tout feu, tout flamme, et qu'ils brûlent là où il faut brûler, qu'ils brillent là où il faut briller, qu'ils chauffent là où il faut chauffer, et qu'ils parlent là où il faut qu'ils parlent. Très cher Saint-Esprit, tu connais les désirs qui brûlent vivement dans mon cœur pour cette convention. S'il te plaît, fais quelque chose afin que dans cette salle, nous n'ayons pas seulement des jeunes qui vont étudier l'histoire. Afin que dans cette salle, nous n'ayons pas seulement des jeunes qui vont écrire l'histoire. Mais nous voulons surtout avoir des jeunes qui vont marquer l'histoire. Père, s'il te plaît, fais-le. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, sois libre de toute action et de tout mouvement. Bénis ces quelques minutes et ces quelques vérités que nous voulons partager au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci le chanteur, que Dieu vous bénisse.
Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même, jeune? Pour vous qui êtes là, acclamez comme acclame le jeune, s'il vous plaît. Je me demande si c'est vraiment ce que vous appelez acclamer. Alléluia. Alléluia. D'emblée, je m'avais dit merci au pasteur Pajot d'avoir accepté que je sois là avec vous, le jeune. Et merci également aux encadreurs de la jeunesse pour cette marque de confiance de m'avoir invité. Je veux dire également merci à mon épouse qui m'a accompagné. La fois dernière, quand j'étais ici, j'étais toute seule, malgré tout ce qu'elle avait à faire, mais cette fois-ci, elle a accepté de m'accompagner. Et je veux également dire un grand merci à mon pasteur, le pasteur Noéla Lumande, pour sa bénédiction et pour également son autorisation qui a accepté que je vienne ici. Et je veux également dire un grand merci aux jeunes de mon église qui savaient que je viens à une convention de jeunes et qui, depuis que je venais, n'ont pas cessé de m'envoyer de messages d'encouragement, et il y en a même qui m'ont dit salut le jeune de notre part. Donc recevez les salutations de jeunes de la parole du salut et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, j'aimerais vous faire une confidence, s'il faut l'appeler comme ça. Il y a de cela quelques jours, dans notre église à Paris, nous avions organisé une réunion de jeunes que nous avons appelée la chambre haute. Et on avait invité un pasteur qui venait d'Afrique. On savait que bon, ça va être une réunion où on ne verra que les jeunes de notre église. Mais à notre grande surprise et à la surprise de tous les responsables de jeunes, la salle, nous avons une salle qui est une très grande salle. Alors, ce jour-là, moi, en venant, je savais que bon, je vais seulement voir le jeune, comment ils vont se réunir. Mais à l'entrée, j'ai vu deux encadreurs de jeunes dehors qui me disaient, mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, il y a une foule incroyable. Je ne voulais pas croire. Et quand je suis rentré, j'ai vu le nombre de jeunes. J'ai compris dans mon cœur une chose, que le temps approche où l'Éternel va bouger les choses. Mais pour que ça se passe mieux, Dieu le fera avec le jeune. Qui croit à cela? Et depuis le jour où j'ai vu cela, j'ai appris à prier pour les jeunes, même ceux qui ne sont pas de mon église. Quand je sais seulement que je croise un jeune qui est un enfant de Dieu, je me dis au fond de moi, par lui, le Seigneur va atteindre des objectifs. Et aujourd'hui, j'ai un message d'encouragement pour les jeunes. Et non seulement un message d'encouragement, mais un message de révolution qui va vous révolter. Et non seulement pour que vous soyez révoltés, mais je viens vous annoncer la bonne nouvelle d'un Dieu qui veut ce soir équiper le jeune pour les défis qui les attend dans les jours à venir. Amen. Bien, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire quelques versets dans 1 Samuel chapitre 16, du 1er au 13e verset. 1 Samuel chapitre 16, du 1er au 13e verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlehemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fut
Aussi, il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetai. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes. Dites avec moi, les plus jeunes. Les plus jeunes. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Mets ta main droite sur ta poitrine. Dis, l'Éternel n'attend que moi. Dis-le encore, l'Éternel n'attend que moi. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Waouh! L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Je vais lire un deuxième texte, toujours dans 1 Samuel, cette fois-ci c'est le chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, si vous voulez à la maison, vous lisez ces deux chapitres, vous allez comprendre l'histoire. Je prends le verset 32. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait et en levait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque de reins et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit à main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Il mit la main dans la gibecière et y prit une pierre, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta sans avoir d'épée à la main. Amen. Il est quand même intéressant de savoir que dans la Bible, Dieu a toujours manifesté ou montré son intérêt à la famille. Et quand nous pensons à la famille, nous avons les parents, nous avons les enfants. Et en parlant des enfants, dans une famille, on peut avoir des adultes et on peut également avoir des enfants. Et ce qui est très, très passionnant, c'est quand nous lisons dans certains endroits de la Bible où Dieu fait mention de jeunes.
Ça, c'est encore intéressant. En général, Dieu aime la famille. Mais ce qui est très passionnant, c'est quand nous voyons Dieu s'intéresser aux jeunes. La Bible contient beaucoup de récits où nous voyons le jeune faire des exploits alors que les plus âgés sont là. Et à chaque fois qu'un jeune a voulu se minimiser, Dieu lui a toujours fait savoir qu'il peut faire quelque chose. Nous en avons la preuve dans notre texte de base, le texte qui a été écrit sur les affiches. Quand Dieu parle à Jérémie, il dit « Ne dis pas que je suis un enfant, car je t'ai choisi. » Amen. Alléluia. Oh. Alléluia. Non, ne vous inquiétez pas, je suis jeune. Vous allez bien, vous allez le voir et vous allez voir vraiment que je suis un jeune. Donc, il est quand même très intéressant de voir que à l'époque de ce jeune garçon, Jérémie n'était pas le seul jeune de son époque. Et à cette époque, Dieu ne manquait pas des hommes à envoyer. Mais Dieu s'est quand même donné le luxe, Dieu s'est donné la peine de choisir un jeune comme Jérémie et il lui confie une mission. Donc, nous allons comprendre par là que l'intérêt de Dieu a toujours été rendu manifeste aux jeunes aussi. C'est vrai que très souvent, quand on parle d'un prophète, on parle d'un pasteur, on parle d'un évangéliste, les gens ont toujours tendance à croire qu'il faut seulement être vieux, il faut être barbu, il faut être ceci, il faut être cela. Ne vous étonnez pas, j'ai été jeune. Je me suis converti en 1986, j'avais 14 ans. Donc, on peut me comparer aux ados qui ont chanté ici. J'ai demandé, les ados, ils ont quel âge? On me dit, ça va de 11 à 16. Donc, je me suis converti, j'étais ado. Et quand je me suis converti, ça paraissait comme une folie à ceux de ma génération. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, je peux avoir cette tablette, mais je contiens des bibles et des bibles, des versions et des versions. Mais à notre époque, on ne connaissait pas les tablettes. Et on avait des grosses bibles. Et quand tu tenais la bible, tu passais en route, tes amis se moquaient de toi en disant, regardez, il est devenu pasteur. Et pour se moquer de toi, te salue, pasteur. Et on partait à l'église. Si c'était une Bible en français, généralement on avait des versions français courant ou Louis II. Français courant, pour ceux qui l'ont connu, c'était une grosse Bible. Et si on avait la Bible en langue de chez nous, en Lingala, c'était également une grosse Bible. Donc ce n'était pas comme des Bibles que j'ai aujourd'hui. J'ai une version chez moi à la maison, je peux les mettre dans ma poche. Tu ne sauras pas que j'ai la Bible avec moi. Et encore avec la tablette, je peux me promener avec, personne ne saura que j'ai une Bible. Donc je me suis converti, j'étais jeune. Je ne pouvais en aucun cas imaginer que j'atteindrais 43 ans et je vais encore prêcher de jeune. Peut-être que vous vous dites, non, je suis encore jeune, ça, ce n'est pas encore ma saison. Mais détrompez-vous, l'évangéliste Francis s'est converti, il avait 14 ans. Plein de vigueur. Plein de force, sportif que j'étais, avec beaucoup d'ambition. Je savais que moi, je serais professeur d'université. C'était mon rêve de tous les jours. Et à l'école, je travaillais en fonction d'atteindre le niveau des professeurs d'université. C'était mes rêves de tous les jours. Et le jeune de mon entourage savait que lui, c'est un intello. Après quelques années, vous allez voir, il deviendra professeur d'université. Et à 14 ans, je me rappelle toujours de la circonstance au cours de laquelle j'ai accepté le Seigneur. J'ai étudié dans des écoles salutistes, qu'on appelle armée du salut. Et à cette école, à chaque fin d'année, on récompensait le meilleur élève. Et généralement, les cadeaux qu'on donnait, soit on te donne une Bible, soit on te donne un Nouveau Testament, soit on te donne une sorte de calendrier qu'on appelait la bonne sémence. Il n'y avait que deux versets dans ces calendriers-là. Et moi, une fois, j'étais le premier de ma classe, on m'a remis un Nouveau Testament qu'on appelait, c'était une version qu'on appelait le livre.
Ceux qui sont de ma génération, qui ont étudié à l'armée du salut, connaissent cette Bible. Alors, mon frère qui vient avant moi, qui est aujourd'hui pasteur, lui, il s'était déjà converti à cette époque-là. Et on dormait dans une même chambre avec un de ses amis qui était aussi un frère en Christ. Alors, quand on s'est réveillé le matin, eux, ils s'est réveillés avant de sortir, ils priaient. Mais moi, quand je sortais, dès que je quitte le lit, ça s'appelle dehors. Alors, un jour, j'ai voulu sortir. L'ami de mon frère me dit, mais toi, tu sors comme ça, tu n'as même pas le temps de prier, tu n'as même pas le temps de lire la Bible, tu sors comme ça. Et si tu meurs en sortant? Pour lui faire plaisir, j'ai pris mon Nouveau Testament, les livres, j'ai commencé à lire l'Épître aux Romains. Alors, il y avait une expression pour parler d'un homme pécheur, on a parlé de l'homme animal. Alors, cette expression, je ne l'ai pas compris. Je lui ai demandé, mais ça veut dire quoi l'homme animal? Alors, il a commencé à m'expliquer ce qu'on appelle l'homme animal. Quand il m'a expliqué ce qu'on appelle l'homme animal, il a fini par me dire, toi aussi, tu es un homme animal. C'était comme un choc dans mon cœur. Alors, il me présente comment je peux quitter le stade d'un homme animal pour devenir un homme spirituel. Et au cours de cela, il me dit, il va falloir que tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui. J'avais 14 ans. Il m'a fait accepter le Seigneur Jésus. Je ne suis plus sorti de la chambre. Je suis resté cloîtré dans la chambre en train de lire le Nouveau Testament. Je lisais, je ne comprenais rien, mais je lisais. Le soir, la même personne vient me chercher et dit, on va prier ensemble. Je ne savais pas prier. Je ne savais pas comment on commençait. La seule prière que je savais, c'était notre Père qui es aux cieux, mais en lingala. Donc, c'était la seule chose que je connaissais. Alors, on a commencé à prier. Je me suis dit, bon, ça va prendre 5 minutes. On a fermé les yeux, on s'est mis à genoux. On priait, on priait, on priait. À un moment donné, je me demande, mais c'est quoi cette prière-là qui ne finit jamais? Et à chaque fois, il me donnait des sujets de prière. On va prier pour tel, on va prier pour tel, on va prier pour tel. Quand on a fini, on a dit amen. Je voyais comme si dans la maison, il y avait une forte lumière qui éclairait la maison. Je ne comprenais pas. Alors, quand je regarde la montre, je me rends compte qu'on a fait 2 heures de prière. J'ai fait, waouh, 2 heures de prière. Et cette façon de prier est restée en moi. Chaque jour, quand je priais, il faut que je prie pour tous ces gens-là pour qui on avait prié le premier jour. Et c'est comme ça que je suis parti. Je suis parti comme ça. Et ce qui fait que quand je prie pour que je me sente à l'aise, il faut que je prie au moins pendant 2 heures. Vous voyez, à 14 ans, j'ai appris à prier pendant 2 heures. Vous allez me dire, vous jeunes, que non, ce n'est pas possible. Mais tout ça pour vous faire comprendre que Dieu n'a pas que le vieux. Donc, quand je pense encore à ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Il s'est passé des événements douloureux. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, je marche avec le Seigneur, je vis des choses avec le Seigneur et ma vie ne fait qu'évoluer. J'avance et je dis encore que je n'ai pas fini. Je vais encore avancer, aller encore plus loin. Et ma prière, c'est qu'un jeune ce soir donne sa vie à Jésus et qu'il fasse une expérience merveilleuse avec ce Dieu. Nous venons de lire un homme, David, l'histoire que vous connaissez tous, l'histoire de David et Goliath. Même ceux qui ne sont pas passés à l'église dans leur enfance, même celui qui peut se dire athée, a entendu parler de cette histoire de David et Goliath. On a tourné des films là-dessus, on en a fait des expressions en français, on a fait des choses sur David et Goliath. Mais j'aimerais vous faire comprendre que David était un jeune comme vous. Alors, le thème que nous sommes en train de partager dans la convention, ça s'intitule « Je suis jeune et c'est moi qui détermine mon avenir ». C'est ça ou ce n'est pas ça? Mais moi, je vais vous parler des 3 éléments qui peuvent vous aider à déterminer dès aujourd'hui votre jeunesse. Vous êtes jeune, mais il y a plusieurs éléments, mais je vais vous donner 3 éléments et après on va prier. L'histoire de David, telle que nous venons de le lire, c'est que David est né dans une famille de 8 personnes. Donc lui-même, il était le 8e et il y avait ses 7 frères.
Alors, c'était à un moment de crise. Il y avait un roi que Dieu a rejeté et Dieu a décidé de choisir une autre personne comme roi. Et le roi que Dieu avait rejeté, il s'appelait Saül. Alléluia. Alléluia. Bouge un peu ton pote de gauche ou de droite. Bouge-le, dis-lui, ne dors pas, on est encore là. Ok, c'est bien. C'est bien, les amis. Alléluia. Et Dieu se décide de choisir David. Mais écoutez ce qui est merveilleux dans cette histoire. David dit, Dieu dit au prophète Samuel, il dit, va là-bas chez un homme qui s'appelle Isaïe. Il y a un enfant, il a un enfant là-bas, je le choisis pour qu'il soit roi. Nous avons lu l'histoire. Quand le prophète arrive sur place, dès qu'il entre, il trouve un garçon qui s'appelle Eliab. Eliab, un costaud, un homme géant. Et en Israël, quand on était roi, on devrait avoir la force pour que quand il y a le combat, que tu sois là pour défendre ton peuple. Alors, quand Samuel a vu Eliab, il a connu, parce que la Bible dit que Saül était grand de taille et il dépassait tous les enfants d'Israël de par sa taille. Alors, quand Samuel a vu Eliab, il s'est dit, waouh, il est vraiment comme Saül. Ah, Dieu sait faire les choses. Donc, c'est lui qui sera le roi. Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. Samuel lui fait, ah bon? Dieu dit, l'homme regarde ce qui frappe l'œil. Alléluia. Alléluia. Je ne vous sens pas trop jeune. Alléluia. Dieu dit à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe l'œil. Entre parenthèses, ce qui frappe l'œil est très important. Alléluia. Parce que c'est ce que l'homme regarde. Moi, je ne suis pas Dieu pour voir ton cœur, pour voir ton intérieur, mais je regarde ce qui frappe l'œil. Et j'aime dire ceci, l'extérieur attire, l'intérieur retient. Quelqu'un a compris ce principe? L'extérieur attire, l'intérieur retient. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec ton extérieur. Ton extérieur peut te trahir, tout comme ça peut te protéger. Donc quand il voit Eliab, il se dit, waouh, c'est lui. Dieu lui dit non, ce n'est pas lui, parce que lui, je ne l'ai pas choisi, je l'ai rejeté d'office. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, pendant qu'on était, on était en train de faire passer tous les enfants d'Isaïe, tous les sept sont passés. Il y a eu Eliab, Aminadab, Shama, tous les sept sont passés, il n'y avait aucun de ceux que Dieu avait choisi. Alors, Samuel regarde Isaïe, il lui dit, ce sont là tous tes filles. Son père lui dit, ah non, il y en a un autre que j'ai oublié. Il n'est pas là. Il est dans le champ en train de s'occuper des brebis. Alléluia. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que quand on a demandé à Isaïe de faire passer ses enfants, il a fait passer tous les enfants. Et pour lui, tous étaient passés. Mais au grand étonnement de Samuel, donc j'aimerais dire en d'autres mots, au grand étonnement de Dieu, celui pour qui il était venu n'était pas là. Voilà pourquoi je t'avais dit de dire que sans moi, la fête ne commencera pas. Dieu va t'attendre. Alors le prophète dit, mais où, il n'y a que ceux-là comme tes enfants. Il dit non, il y en a un autre, mais lui c'est vraiment un tout petit. Donc vous allez comprendre que dans la mentalité des hommes, dans la mentalité des humains, le plus petit, le jeune ont toujours été très souvent oubliés. Mais j'aimerais te dire une chose. Si, en tant que jeune, dans ta famille, on ne te compte pas, on dit lui, il ne sert encore à rien. T'inquiète pas, tu n'es pas un oublié, mais tu es plutôt une réserve de l'Éternel. Ah, vous êtes en retard. C'est-à-dire que ta famille ne compte pas sur toi parce qu'on dit, il a encore 14 ans. Il a encore 16 ans. Qu'est-ce qui peut sortir de bon chez lui? Qu'est-ce qu'il peut nous amener? Ça, c'était mon combat avec mon père. Il dit, mais toi, mon père, il me disait, à ton âge, je faisais ceci. À ton âge, je faisais cela. Je disais, mais papa, je ne suis pas toi. À ton âge, moi, je. Et mon père, un jour, il me dit, tu sais, moi, à ton âge, je montais sur un palmier et je faisais de vin de palme. J'ai dit, mais je ne veux pas monter faire de vin de palme, mais je ne bois pas l'alcool. Il me dit, est-ce que toi vraiment je peux compter sur toi?
Vous savez, dommage pour lui, il est mort. Il fallait qu'il soit en vie, qu'il sache qu'il pouvait compter encore sur moi. Parce que ceux qui sont restés en vie comptent encore sur moi. Alors qu'à 14 ans, je n'ai reflété aucun espoir de la famille. Alléluia! Alléluia! Tu peux être jeune, délaissé, oublié, abandonné. Frère, ne pense pas que tu es oublié. Même si ta famille t'a oublié, Rabbi, il t'aime encore. Son père l'a oublié, mais non, il n'était pas un oublié. Quand on te dit que toi, on ne te connaît pas, on ne compte pas sur toi, frère. Vous savez, ceux qui font les études ici, ceux qui font la comptabilité, c'est ce qu'on appelle une réserve. On ne la touche pas n'importe comment. Ça s'appelle réserve. Et en comptabilité, on dit une réserve, c'est une partie des bénéfices qu'on met à côté pour faire face aux éventualités. Donc, sur le coup, tu ne comptes rien. Mais attendez le jour où il y aura crise, on comptera sur toi, jeune. Est-ce qu'un jeune me comprend ici? Ah, le jeune, est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, on ne compte pas sur vous. Mais béni soient les responsables de ces églises, de cette église, qui ont pensé qu'il faut commencer à investir dans des jeunes. Parce qu'eux, ils voient que l'avenir de demain, c'est vous. Les pages de demain, c'est vous. Les tomes de demain, c'est vous. Les bijoux de demain, c'est vous. Les anciens de demain, c'est vous. À 14 ans, certains de mes responsables me disaient, mais est-ce que toi, tu seras prêcher un jour? Ce n'est pas un problème. J'ai connu Diego Armando Maradona, j'ai connu Zidane. Alors, il y avait un jeune qui apprenait, j'ai dit, est-ce que tu connais ce gens-là? Il me dit, bon, vite fait, comme on dit en France, vite fait. J'ai dit, alors, toi, tu connais qui? Il me dit, je connais Messi et je connais Cristiano. Je lui ai dit ceci, à leur époque, le Messi, les Iniesta, les Benzema n'étaient pas connus. Mais malgré cela, cela n'empêche pas qu'aujourd'hui, on parle de Messi, qu'on parle de Cristiano Ronaldo. Ce qui veut dire, même si aujourd'hui jeune, on ne compte pas sur toi, c'est une question de saison. Dis avec moi, saison. Laissez-les régner aujourd'hui, c'est une question de saison. Bientôt, très bientôt, on va donner un coup de sifflet, ta saison apparaîtra jeune. Son père l'a oublié. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. C'est tout ça, ses enfants. Il me dit, non, il y en a encore un autre. On lui dit, on n'ira pas à la fête si lui, il ne vient pas. Alors, on dépêche les grands. Courez vite. Allez chercher le plus petit là. Ces mêmes grands qui peuvent te négliger aujourd'hui, ce sont eux qui viendront te chercher pour que Dieu s'occupe de toi. Alléluia. C'est-à-dire, comme les gens me disaient que toi, tu ne pourras pas prêcher. Toi, tu ne seras pas comme ça. Ça ne me dérangeait pas. Mais aujourd'hui, des fois, quand je vais en Afrique, je le regarde, ils me disent, waouh, non, mais Dieu est grand. C'est toi qui prêches comme ça. J'ai dit, oui, le même que vous avez oublié dans la forêt avec les brebis, c'est le même qui prêche aujourd'hui. J'ai un message à dire aux jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je le répète encore. Peut-être que dans ta famille, on ne te compte pas. Même l'État ne compte pas encore sur toi. Ta signature ne vaut pas la peine. On dit non, il faut que tu sois représenté par tes parents. Tu es encore... Tout ce que tu poses comme un acte n'a pas de valeur juridique. Donc tout ce que tu fais, il faut que tes parents soient là. Mais peut-être que tu as 16 ans. Peut-être que tu as 17 ans. Mais l'année prochaine, tu auras 18 ans. Tu pourras dire à ta mère, je m'en vais. Ah, ça c'est la maladie des 18 ans en France. Bientôt, j'aurai mes 18 ans. Ah, mais j'aime une maman que je connais. Elle dit à sa fille... Même quand tu auras 20 ans ici à la maison. Tant que je ne verrai pas ça, je ne verrai pas ça. Tu resteras à la maison. Elle dit à sa maman, j'aurai mes 18 ans, je serai en plein droit. Sa maman lui dit, tu resteras ici. J'attendrai l'État me verra. La fille a atteint 20 ans à la maison. Jeune, ne soyez pas épris de folie de 18 ans. 18 ans, ça ne vaut rien. Toi qui à chaque fois dis à tes parents, attendez, continuez comme ça. Bientôt j'aurai mes 18 ans. Les 18 ans ne valent rien. Parce que tu as 18 ans, oui, et après. 18 ans sans bac. 18 ans sans brevet.
18 ans ne valent rien. 18 ans sans ceci. 18 ans sans Saint-Esprit. 18 ans sans parole de Dieu. À quoi servent tes 18 ans? Donc, si tu as dit à tes parents, attendez, bientôt j'aurai mes 18 ans, à la fin de cette confession, il va lui demander pardon. Donc, pensez que même si aujourd'hui vous avez 16 ans, vous aurez 18 ans, vous aurez 20 ans, mais devant Dieu, ce n'est pas votre âge qui importe. Ce que le monde appelle majeur sont encore des gamins devant Dieu. Si on essaye d'étudier l'histoire, on va comprendre qu'à cette époque-là, David avait moins de 20 ans. Pourquoi? Parce que tout jeune qui avait 20 ans à cette époque-là devrait aller en guerre. Or, David n'était pas parti en guerre, mais il n'y avait que ses frères qui étaient partis en guerre. Donc, on va bien comprendre bien que David avait moins de 20 ans. Parce que quand on est venu le voir, et quand il y a eu guerre, il s'est passé un temps. Mais malgré qu'il y avait guerre, David est resté chez ses parents. Donc on va comprendre qu'il n'était pas enrôlé dans l'armée parce qu'il avait moins de 20 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il était dans la forêt en train d'élever les brebis de son père. Ses frères viennent lui dire, David, viens, le prophète est venu, mais il veut te voir, toi. Le premier élément qui peut t'aider à déterminer ton avenir s'appelle un choix, le choix. Je choisis. Alléluia. David était libre de dire à ses frères, allez-vous fêter. Moi, je ne viens pas. Parce que ce qui m'intéresse, ce sont les brebis de mon père. Vous, réjouissez-vous. Bien de jeunes aujourd'hui pensent que donner sa vie à Christ, c'est une perte de temps. Vous savez, je vous ai dit que je me suis converti, j'avais 14 ans à 86. Et à notre époque, on employait une expression, il a sauté la jeunesse. Effectivement, j'avais sauté la jeunesse. Frère, la jeunesse, c'est une période très dangereuse, très cruciale, très dangereuse. Et quand on ne fait pas attention, on rate tout. En fait, je compare la jeunesse à la chambre de la fermentation pour ceux qui travaillent dans la boulangerie. Si tu rates la fermentation de ta farine, tous les pains seront ratés. C'est pour ça que la Bible pose la question de savoir comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier. Donc, même Dieu qui a des projets pour la jeunesse, il s'inquiète également pour la jeunesse. Jeune, tu as le regard de Dieu sur toi. David aurait pu dire non, je ne viens pas. Combien de jeunes aujourd'hui pensent que venir à l'église, c'est une perte de temps? Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une fille de 23 ans au travail. Je l'ai toujours invitée de venir prier avec nous à l'église. Elle a toujours hésité. Alors, cette fois-ci, j'ai voulu approfondir la discussion. C'était sur Facebook. Je lui ai posé la question, mais c'est quoi ta peur? Elle me dira, j'ai peur d'abandonner beaucoup de choses. J'ai dit, comme? Cite-le-moi. Il fait, je ne sais pas, mais je sais que si je viens et que je vais à fond dans la prière, je vais abandonner beaucoup de choses. Beaucoup de jeunes hésitent encore de se consacrer à Dieu, soi-disant qu'il va perdre. Mais vous savez, avec le Seigneur, il y a un principe qui perd, gagne. 14 ans converti. À 14 ans, avant mes 14 ans, je faisais du judo. Tout le monde qui me disait, toi, tu as de l'avenir, toi. Toi, tu vas aller loin. Et je suis issu d'une famille de sportifs. Quand tout d'un coup, je vais leur annoncer, j'arrête. Waouh! De 15h à 17h, j'avais foot. Et de 18h à 20h, j'avais judo. Un sportif complet. Et quand j'ai annoncé la nouvelle, ça coïncidait mal. Une de mes sœurs était venue ici en France, elle était hôtesse. Quand elle est venue, elle m'a acheté tous les équipements nécessaires pour un judoka. Il me l'a apporté comme cadeau. À peine il apporte les cadeaux, on lui annonce que ce n'est pas la peine. Il a dit, il arrête. Elle fait, mais pourquoi? Non, parce qu'il a commencé à prier. Viens d'abord ici, qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? Je dis non. Alors, on avait une expression qu'on utilisait, à quoi sert le judo? Et
Donc moi je suis parti en France, t'ai l'acheté, tu me demandes à quoi ça sert. Il me dit, tiens, tu sauras ce que tu feras de cela, mais je vais apprendre que tu as repris le judo. Moi j'ai grandi dans une famille où ça ne blaguait pas. Quand on te dit comme ça, deux jours après tu es frappé. Enfant battu, chez nous ça n'existait pas. Mais tellement que les ailes bouillonnaient dans mon cœur, je ne pouvais pas faire une journée sans prêcher l'évangile. Donc tous mes amis jeunes commençaient à me fuir. Dès que je me pointais, ils commençaient à se dire, il arrive. Et vous voyez, chacun prend sa route. À gauche, à droite, il s'est dispersé. J'étais comme un cavalier solitaire, sans amis. Mais Christ était avec moi. Mais c'était un choix que j'avais opéré. J'ai accepté, j'ai dit non, moi je veux suivre Christ. Mais aujourd'hui, je ne regrette rien parce qu'avec le Seigneur, qui perd, gagne. Les amis qui me fuyaient, les amis qui disaient que lui il a sauté la jeunesse, aujourd'hui ils sont en train de se convertir. Et des fois ils me disent, Francis, comment tu as fait pour tenir pendant ce temps? Je me moque en disant, dommage, vous êtes venus en retard. On a goûté des bonnes choses. Il y en a qui me disent, waouh Francis, tu es loin, quel est ton secret? Il y en a un qui est venu me dire, prie pour moi que je devienne comme toi. J'ai dit, c'est simple. Passe d'abord par là où je suis venu passer. Après, je prierai pour toi. Je ne regrette pas. Quand tu as accepté de donner ta vie à Christ, tu as fait un bon choix. Tu ne le regretteras jamais. Parce qu'avec le Seigneur, l'avenir est assuré. Vous savez, moi je suis venu en France comme de la blague, mais je suis venu en France. Je sais que vous voulez entendre comment, n'est-ce pas? Quand le Seigneur m'a appelé, j'ai accepté. Comme je vous ai dit, je voulais devenir grand à l'université. Le Seigneur me dit, là où tu veux aller, ce n'est pas là où que je t'attends ailleurs. Il dit, non mais attends Seigneur, moi j'ai de l'intelligence, j'ai tout ce qu'il faut. Si tu ne m'attends pas là-bas, tu m'attends où? Alors le Seigneur me dit, consacre-toi à mon service. Je ne faisais rien, vous savez, à Kinshasa, tu peux ne pas vouloir jeûner, mais tu jeûneras. Parce qu'il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à faire. Tu es là, ce n'est pas un moment de retraite, ce n'est pas de jeûner prière, mais je jeûnais. Alors, un jour, je dis, mais Seigneur, jusqu'à quand je vais continuer comme ça? Dieu me dit, j'ai un travail pour toi, mais ça ne se fera pas ici en Afrique, ça se fera en France. Je fais, ah, je n'ai pas un père, je n'ai pas une mère, je n'ai pas un grand frère en France qui peut me dire, bon Francis, je vais faire des démarches pour que tu viennes. Vous savez, quand Dieu veut atteindre ses objectifs, il n'a pas besoin d'apport d'un homme. Avant que le monde soit monde, Dieu était Dieu. Pour créer le monde, il n'a pas demandé de secours à quelqu'un. Il n'a pas appelé un assistant social. Il a dit que le monde soit et le monde fut. Alors un jour comme ça, j'ai prié à la permanence, j'ai prié. Un de mes enfants dans la foi est venu me dire, on t'appelle au téléphone. À cette époque-là, les téléphones fixes étaient rares au Congo. Donc, si vous avez une famille qui a un téléphone à la maison, il faut le respecter. Et cette sœur-là était le petit frère d'un grand star sportif congolais aux États-Unis. Donc, chez eux, il y avait le téléphone. Je viens, je prends le téléphone, je réponds, allô? Alors, c'est quelqu'un, c'est celui qui m'a apprécié l'évangile qui me pose la question. Il me dit, nous avons siégé, nous avons décidé de venir te prendre au Congo pour que tu viennes nous prêcher l'évangile. Est-ce que je pouvais dire non? Dites-moi, est-ce que je pouvais dire non? J'ai dit oui, quand? On me dit, mais il faut attendre. J'ai dit, ah, il faut attendre. Et comme de la blague, moi je suis venu, je n'ai pas fait de démarches pour avoir un passeport, pour avoir un visa. On est venu me chercher, on me donne tous les papiers. Tiens, débrouille-toi, viens en France. Je prends l'avion, je suis en France. Depuis 2001. Ma femme, elle est là, à l'époque on était des fiancés. Elle me disait, c'est vrai. Mais alors, quand j'ai annoncé dans ma famille propre, je leur dis, bon, je voyage, je vais en France. On me pose la question, comment tu vas y aller? J'ai dit, mais comment on va en France? Je vais aller à l'aéroport, je prendrai l'avion, je monte, et quand j'arrive en France, je sors. Et les gens qui m'ont connu, ceux qui s'étaient moqués de moi en disant, il a sauté la jeunesse, aujourd'hui, quand on se regarde comme ça, on dit, ah, toi, Dieu est vivant. Une de mes grandes sœurs m'a dit, le jour où on me demandera l'adresse de Dieu, je dirai que Dieu habite chez toi. J'ai dit, ça c'est bon, si on commence à parler comme ça. Donc David avait un choix à faire. Quand le prophète, quand on lui a dit, on ne lui a pas dit, écoute David, viens. Dieu a choisi que tu sois le roi. On ne lui a pas dit ça. On lui a seulement dit, viens, le prophète t'attend. Quand il est venu, il sort de la brousse, il sentait les brebis.
Mais David, il vient, on lui dit, écoute, on lui met l'onction d'huile, on lui dit, c'est toi qui seras le berger, le gardien du troupeau de l'Éternel. Donc, le fait pour David de dire oui à Samuel, ça équivaut aujourd'hui à dire oui à Jésus. Donc, quand tu es là, tu es encore ado. Les ados, levez les doigts. Les ados, levez les doigts. Donc, je vais être direct avec toi. Donc, quand le Seigneur t'appelle à lui, tu ne perds pas le temps. Donne-lui seulement ta vie et au bout de quelques minutes, ta vie changera. Les jeunes pensent que prier, c'est pour les papas. C'est pour les darons. C'est comme ça que vous dites, non? C'est pour les darons et c'est pour les daronnes. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Ma fille, quand elle grandissait, on lui avait acheté un DVD des archanges. Elle regardait ça régulièrement. Et pour elle, toutes ces filles qui sont dans ces DVD-là, ce sont de petites filles. Alors, quand elle voyait Victoire, elle dit, papa, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup celle-là. Elle est petite. Hein? Et chaque fois qu'elle regarde le DVD, elle me dit, papa, où est le DVD de cette petite-là? Donc, pour ma fille, Victoire, elle est toujours la petite. Alors, quand j'ai dit à ma femme, j'aurais dû venir avec Chrysolite pour qu'elle voie la petite Victoire. Alléluia. Donc, pour ma fille, la petite-là, elle est toujours petite. Et elle croit toujours que c'est elle qui grandit. Et quand je lui fais des blagues, elle me dit, toi, tu es déjà devenu vieux, toi. Tu es déjà devenu vieux. Je lui dis, mais moi aussi, j'avais ton âge. Il fait, comment ça, tu avais mon âge? Elle a à peine 9 ans. Mais pour elle, bon, papa est papa, il est vieux. Mais il oublie que j'avais aussi 14 ans. Et c'est ça, c'est l'impression que les ados ont. Aujourd'hui, tu as 14 ans, demain, tu auras 15 ans, 16 ans. Mais ça passe tellement vite qu'un jour, on t'appellera maman. Un jour, tu seras obligé de dire à ton père, papa, il y a quelqu'un qui veut venir te voir, si encore tu auras la bonne éducation. Parce que nous vivons dans un temps corrompu, très corrompu, où les jeunes n'ont plus le respect, ils n'ont même pas le sens des Écritures. Les jeunes qui viennent à l'église, mais qui ne vivent pas selon les principes de la parole de Dieu. Parce qu'il a atteint 18 ans, il aménage avec son petit copain. Avez-vous lu dans la Bible qu'il y avait un petit copain? Jeunes, choisissez aujourd'hui de vivre selon les principes de Dieu. Ça, c'était le choix de David. David l'a dit, ah bon, on me cherche? Ok, je viens. On lui dit, voilà, on va te oindre pour devenir roi. On lui a donné l'onction. David a commencé à grandir. Le choix est très important parce que ton choix d'aujourd'hui déterminera l'avenir de demain. Il aurait suffi pour moi de refuser quand on m'a annoncé l'évangile. Il aurait suffi pour moi de refuser quand on a dit d'accepter Christ. Je ne sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui. Peut-être que je serais toujours en vie. Mais quelle vie! Je ne sais pas comment j'allais vivre ma vie. Vous savez, j'ai vécu dans une famille où les gens mouraient comme des chenilles. Il y en a un qui meurt cette année. Il a commencé par ma mère. Ma mère est morte. Après, ma soeur a suivi. Mon père est parti. Mes frères ont commencé à suivre. Waouh! On était nés 10. Nous sommes restés aujourd'hui 6. Et parmi les 6, il y en a un qui voyait très bien, qui est devenu malheureusement aveugle. On se pose la question, pourquoi? Trop de questionnements et de questions dans ma famille. Mais moi, le Seigneur m'a préservé. Le Seigneur m'a préservé. Oh, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je serais devenu si je n'avais pas choisi de servir Jésus? Et toi qui es jeune, qui as donné déjà ta vie à Christ, même si tu souffres aujourd'hui, tiens bon. Un jeune de mon église est venu me voir et dit, évangéliste, je ne comprends pas, Dieu commence à faire de l'injustice. J'étais curieux de dire, mais comment Dieu fait de l'injustice? Il dit, dans notre lycée, il y a des filles qui ont aménagé avec des garçons. Je leur ai dit, mais ce que vous faites là, ce n'est pas bien, c'est un péché. Ils m'ont dit que eux, Dieu leur a autorisé. Mais pourquoi Dieu ne m'autorisera pas? J'ai dit, écoute. Dieu
n'a jamais autorisé le péché. Tiens encore ferme, parce que tu as accepté de suivre Christ, suis-le jusqu'à la fin. Ce qui est bien avec Dieu, ça paye toujours. Dis à ton voisin, avec Dieu, la paix est sûre. Tu peux avoir l'impression que tu es en retard. Tu peux avoir l'impression que tu rates des choses. Mais frère, croyez-moi, avec Dieu, ça paye toujours. Quand David a reçu l'onction, on lui a dit, tu seras roi. Mais pendant qu'on lui a donné l'onction, on lui a donné la promesse, tu seras roi. La Bible dit, Saoul était le roi. Mais la promesse était sur lui. L'onction était également sur David. Mais Saoul était roi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Deuxième chose, pour que tu saches déterminer ton avenir. J'ai dit, la première des choses qu'il faut faire, c'est de choisir. Et choisissez aujourd'hui de servir les dieux qui a besoin de jeûne. La deuxième des choses, ça s'appelle une vie de consécration. Quand David est parti, maintenant le jour où c'était les combats avec Goliath, je saute beaucoup de choses parce que je ne vais pas tout dire. Quand il est parti pour affronter Goliath, la Bible me dit ceci. Saoul a appris que David a dit qu'il va tuer Goliath. Saoul a dit, quoi? Il y a quelqu'un qui va tuer Goliath ici? On dit oui. On dit appelle-le. Quand on vient l'appeler, on regarde comme ça. C'est un ado. Saoul lui regarde et dit, jeune homme, ça va? Il fait oui, ça va. Il fait, mais on m'a dit que c'est toi qui vas. Il fait oui. Saoul lui dit, petit, écoute, tu vois cet homme-là? Je le connais, tu es trop jeune. L'histoire de la prière, c'est pour le vieux. Tu vois cet homme-là? Il a été guerrier depuis son jeune âge. Depuis qu'il était jeune, il était guerrier. Tu ne pourras pas te battre contre lui. Donc, David, il a comme supporteur le fan de Goliath. Est-ce que vous comprenez? David veut affronter, on commence déjà par le décourager, on lui dit, tu ne pourras pas te battre contre lui. Mais ce que j'aime Dieu, c'est quoi? Avec Dieu, tout ce qu'il est en train de faire avec toi au début, il faut le prendre en considération. Ce sont des signes qui indiquent que l'Éternel est avec toi. Vous savez, quand on veut allumer une allumette, on veut faire le feu, quand on frotte l'allumette, quand ça donne des étincelles, tu dis que ça va aller faire. Et avec Dieu au début, nous avons des petits, que j'appelle des petits témoignages, mais costauds. Donc, tout ce que Dieu fait avec toi, pendant que tu es ado, pendant que tu es jeune, prends-les en considération. Alors, David, dans son expérience, quand il a reçu l'onction, il a tué un lion et un ours. Vous savez, c'est difficile quand tu fais des exploits avec Dieu dans le secret pour que le monde t'acclame. C'est pour ça, frère, je n'ai pas besoin que les gens m'acclament. Parce que quand Dieu m'a déjà acclamé, même si vous ne m'acclamez pas aujourd'hui, demain, vous acclamerez. Alors, quand David a tué un ours, il est venu dire à son frère, il y a Eliab, tu sais quoi aujourd'hui, j'ai tué un ours et un lion. Il a fait, ah, toi c'est toujours comme ça. Depuis que les prophètes étaient venus te voir, tu es devenu orgueilleux. Est-ce que toi tu peux tuer un lion? Quand il a tué le lion, il n'y avait pas de témoin. Le seul témoin, c'était Dieu au ciel, l'ours et les brebis et les lions qui sont morts et les brebis qui ne peuvent pas parler. Donc, quand David dit que j'ai tué un lion et un ours, ce frère dit, ah, une brebis a fait, pour dire que c'est vrai. Mais comme on ne comprend pas le langage des animaux, qui peut croire à un tel témoignage? Mais David a gardé ça dans son cœur. Il dit, Dieu a déjà fait des choses comme ça avec moi. Jeune, si déjà Dieu a fait des petites choses avec toi, prends cela en considération. Mets ça dans ton compte réserve. Un jour, ça va t'aider. Alors, quand Saoul décourage David, il dit, quand j'ai gardé les brebis de mon père, un lion est venu, je le tuais. Un ours est venu, je veux le tuer. Il dit, c'est comme ça que je vais terrasser. C'est un circoncis parce qu'il a insulté le Dieu des cieux. Alors, la Bible dit que Saoul l'a regardé, il dit, ok, bon courage jeune homme,
que l'Éternel soit avec toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a pris ses armures. Il lui dit, tiens, il lui met le casque, la cuirasse et beaucoup de choses. Alors, j'ai mis une précision que la Bible donne. La Bible dit, David essaya de marcher avec ça parce qu'il n'avait pas encore essayé. Quand il a essayé de marcher avec ça, la Bible dit, il dit à Goliath, je ne pourrai pas combattre avec ça, je n'en suis pas accoutumé. Ça veut dire, je ne suis pas habitué à manipuler ces armes. Or, quel était le problème? La même armure que Saoul avait, c'était la même armure que Goliath avait. Donc, nous sommes en face de la ressemblance des armes. Or, Goliath, il a appris à manipuler ses armes depuis son jeune âge. Saoul aussi a appris à manipuler ses armes depuis son jeune âge. Mais David, il est encore au commencement de son jeune âge. On lui donne des choses des adultes, il fait non. Il fait premièrement, je n'en ai pas l'habitude. De deux, le même arme que je vais utiliser, mon ennemi aussi en a. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ce que vous devez comprendre, frère, quand vous voulez avoir un avenir rassuré, un avenir meilleur, évitez la ressemblance avec l'adversaire. Le diable est le père du mensonge. Toi aussi, tu es la fille du mensonge. Mais le père du mensonge, il va te dribbler parce qu'il est le père. Est-ce que vous me comprenez? Évitez la ressemblance avec le diable. Parce que le diable, il est l'expert dans son domaine. Et si tu rentres dans son domaine, il va te tuer. Combien de jeunes aujourd'hui ont voulu essayer? Non, évangéliste, on avait seulement flirté. Ah, vous avez flirté. Et quelles sont les conséquences? Tu es enceinte. On avait seulement flirté. L'impudicité, c'est l'armure du diable. Le caresse, c'est l'armure du diable. Le tire-langue, c'est l'armure du diable. N'essayez pas, l'ennemi va vous terrasser. Vous savez, ayez votre culture, mais je prêche la culture de la parole de Dieu. La vie de consécration. Qu'est-ce qu'on appelle la consécration? La consécration, c'est le fait de se mettre à l'écart pour Dieu. Ce n'est pas parce que les autres vivent comme ça. Moi aussi, je vivrai comme ça. David a dit non, ces armures, je n'en ai pas l'habitude. Donc, quand je vais à la fête et que les gens dansent Yamado, je ne danserai pas parce que je n'en ai pas l'habitude. Bien-aimés, vous devez comprendre ceci. Dans le monde, nous sommes en affrontement. Les ténèbres et la lumière. Nous sommes en affrontement, frère. Alors, si tu veux gagner, si tu veux remporter la victoire, sépare-toi des armures de ton adversaire. Aobetao. Alléluia. Ton adversaire va te terrasser parce qu'il sait comment manipuler, comment manier ses armes. Non, mais évangéliste, tout commence par une relation, non? Où est le mal si on est en relation? Il n'y a pas de mal. Mais tenez bon et qu'il n'y ait pas l'impudicité, venez me dire. Mais l'évangéliste, on a seulement flirté. Mais qui vous a dit de flirter? Mais l'évangéliste, on n'a rien fait, c'est seulement des fleurs. Mais oui, c'est seulement des fleurs qui vont un jour vous apporter des fleurs. Et ça va être compliqué après. Vous savez, les jeunes ont tendance à croire que ce que Dieu condamne, c'est les relations sexuelles seulement. Mais frère, toute relation sexuelle commence par des préliminaires. Et ne savez-vous pas que les fleurs font partie des préliminaires? Alléluia. Ce n'est pas parce que lui, il va à l'église, il le fait, que toi aussi tu vas le faire. Non. Ce n'est pas parce que ta soeur qui chante à la chorale a un copain, que toi aussi tu dois faire ça. Non. David aurait pu faire également porter les armures de Goliath, de Saoul plutôt. Du reste, c'est lui qui lui donnait. Il lui donnait cela de bon cœur, pas de mauvaise foi. Mais le problème, c'est quoi? La Bible dit, il n'en était pas accoutumé. Frère, le péché reste le péché. Quelle que soit la couleur que vous voulez donner au péché, ça restera un péché. Mais évangéliste, mes parents les connaissent. Est-ce que j'ai à voir avec tes parents?